gibbons sont des singes vivant en Asie. Il en existe plusieurs espèces, qui forment la famille des hylobatidés. Les gibbons sont des cousins des hominidés, la famille des gorilles, des chimpanzés et de l'homme. Les gibbons sont des singes dépourvus de queue, qui se caractérisent par leurs très longs bras. Ils se déplacent de branche en branche, en se balançant au bout de leurs bras, et en sautant d'arbre en arbre. On appelle ce mode de déplacement « brachiation ». Ils ne descendent quasiment jamais à terre, et marchent très peu. Le gibbon à main blanche ou gibbon lard est le singe le plus rapide au monde, pouvant atteindre la vitesse de 65 km par heure. Il est très rapide dans les arbres. Quand il est au sol par contre, il se déplace lentement. Mâles et femelles mesurent de 40 à 65 cm de longueur et pèsent de 5 à 7 kg tandis que les siamangs, un peu plus grands, mesurent entre 65 à 90 cm pour un poids allant de 8 à 10 kg. Les gibbons se caractérisent par de très longs bras et une structure singulière du poignet dont les os en forme de boule logés dans un trou autorisent des mouvements biaxiaux que ne peuvent pas accomplir les hominidés. Les gibbons sont noirs, roux, gris ou jaunâtres suivant les espèces et parfois, selon le sexe. Chez le gibbon concolore par exemple, le mâle est noir avec des favoris clairs et la femelle blonde avec une tache sombre sur le crâne. Si les gibbons sont omnivores, ils privilégient les matières végétales. De nombreuses espèces suivent un régime alimentaire essentiellement frugivore, affichant à leur menu les fruits des arbres qui peuplent les forêts tropicales, comme les figues. Dans leur aire de répartition, les hylobatidés doivent s'adapter à deux saisons, une première humide et fertile qui favorise la pousse de fruits et de bails et une deuxième plus sèche, durant laquelle leur nourriture préférée se raréfie. En saison basse, le choix se restreint et les primates se voient souvent contraints de consommer notamment des insectes, des œufs et de petits oiseaux. Piètres chasseurs, nombre d'entre eux se replient sur les fleurs, les feuilles, les tiges ou les bourgeons. Le siamang, par exemple, se montre volontiers folivore. Les gibbons sont totalement arboricoles et ont développé des formes hautement spécialisées de locomotion. Le fort allongement de leurs bras et de leurs mains est adapté à la brachiation qui optimise l'accès aux fruits dans les branches terminales des arbres dans lesquelles ils peuvent se déplacer à 50 km par heure et faire des bonds de plus de 10 mètres, ce qui leur permet de franchir les trouées dans la canopée. Leurs membres antérieurs, dont l'avant-bras dépasse en longueur le bras, sont très allongés, si bien que sans effort l'animal dressé est à même de toucher le sol de ses mains fermées. Ne pouvant rester debout immobile, les gibbons pratiquent plus rarement la bipédie mais avec une démarche maladroite, devant fléchir l'articulation des hanches et des genoux. Ces caractéristiques expliquent qu'ils marchent en se balançant pour garder l'équilibre et les membres antérieurs souvent au-dessus de leur tête.
Monogames, les couples de gibbons restent fidèles à vie. Les deux partenaires donnent naissance à un petit tous les 2 à 3 ans. Après une gestation qui dure un peu plus de 7 mois, le nouveau-né est allaité par sa mère pendant 6 mois puis souvent pris en charge par le père. La famille peut rassembler plusieurs petits d'âges différents car un jeune bien qu'indépendant vers 3 ans ne quitte le cocon familial que vers 6 ou 7 ans, une fois qu'il est adulte et prêt à s'accoupler à son tour. Dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, le gibbon chante à l'aube pour marquer son territoire. Les couples accordent leur voix pour ses vocalises spectaculaires. Excellent chanteur et acrobate, il adore la hauteur et se balance de branche en branche à l'aide de ses longs bras et utilise les doigts de ses mains comme crochets pour s'accrocher aux arbres. Ce qui fait de lui un primate arboricole, ce qui signifie qu'il vit dans les arbres. La plupart des espèces de gibbons sont menacées de disparition, principalement en raison de la dégradation ou de la perte de leurs habitats. Les forêts d'Indonésie, sur l'île de Phuket, en Thaïlande, un centre de réadaptation organisé par des volontaires sauve des gibbons maintenus en captivité qui sont ensuite relâchés dans la nature. Le tigre, la panthère nébuleuse, le léopard, le chat marbré, le python et certains rapaces, aigles, figurent parmi les principaux prédateurs du gibbon, surtout pendant son sommeil. Son chant représente également un péril pour le singe qui se laisse ainsi facilement repérer par les braconniers. Le primate est chassé à des fins commerciales, viande, animal de compagnie, médecine traditionnelle ou comme trophée. Toutefois, la principale cause de son déclin est la destruction de son habitat par déforestation pour l'exploitation de l'huile de palme, par exemple. La plupart des espèces sont en danger et certaines classées en voie de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. L'espérance de vie des ilobatidés est de 30 ans à l'état sauvage et de 40 ans en captivité. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.